premier, amen, il dit la terre était informe et vide. Informe et vide, ça veut dire chaos, amen, défection. Donc, l'Éternel finit pour le réparer la situation. Et ça fait dire au commencement, Dieu créa ça, les cieux et la terre. Donc, le bon Dieu fait bagarre, il fait au bien. Il fait au bien. Donc, là, le rencontrer l'iniquité dans le monsieur, donc l'Éternel précipite. Ça, son forme de juge, forme de jugement. Donc, le livre de la Genèse commençait avec forme de jugement, ça. Forme de jugement, ça. Parce que à la chute d'Adam, bon Dieu obligé de juger Adam. Obligé de juger Adam. Il n'y a pas qu'à quitter Adam avec toute chute là. Il n'y a pas qu'à quitter Adam avec toute iniquité. Il n'y a pas qu'à quitter jardin d'Éden qu'il créa avec tout péché. Avec tout péché, il est obligé de juger Adam. Juger Adam. Juger Adam. Il prononçait sur Adam. Il prononçait sur Ève. Et puis il prononçait sur le serpent. Sur le serpent. Donc ça, son forme de juge, forme de jugement. Maintenant, depuis Genèse, forme de jugement, ça a continué. Donc, si bien qu'à chaque fois que le monde font mal, les coupables, si on pas être kembel, s'ils font crime quelconque, si on pas être kembel, qu'on y a l'Éternel préparé une série de villes qui auraient les villes de refuge. Si on ne peut pas être un monsieur, pour sauver la ville, s'il connaît. Amen. Il y a le derrière pour venger ça. Pour venger ça. Là. Donc, monsieur plongé dans la ville là. Donc, pour la joindre sacrificateur, sacrificateur a été symbolisé au juge. Au juge. Qui pouvait défendre mon nom. Pour mon nom capable d'entendre que vous entendez verdict, pour vous entendez déclaration. S'il coupable ou bien s'il guéri. S'il guéri. Toute la Bible, c'est genre de forme de juge, jugement. Jugement ça. Il y a jugement tout que bon Dieu prend seul avant la guerre sur la terre. Jugement ça, il y a absolument souverain. Absolument souverain. Lorsque le bon Dieu descend pour le faire appel, par un monde qui a posé le question. Monde qui va poser une question. Excepté. Excepté. Abraham, l'ami de Dieu, l'ami de Dieu, qui t'a obligé pour un seul, pour obliger dit Seigneur, est-ce qu'on est capable d'épargner 50 justes à Sodome et Gomorrhe? Seul Abraham, qui était qu'à camper intercéder en ce sens. Alors que le jugement du déluge, pour son jugement déluge là, l'Éternel dit descend, il dit Noé, bâtir un gros bateau et puis fin bâtir, rentrer tout le fond là-dedans parce que nous allons détruire la terre. Ça, personne ne peut pas faire rien dans ça parce que l'Éternel déclare, nous allons détruire la terre. La parole de Dieu dit nous, la terre t'est détruite par le déluge. Seul Noé avec famille, tu t'es épargné. Donc ça veut dire, même mon Dieu qui compte juger, qui t'est jugé dans le temps ça. Mais mon Dieu, ça, c'est le même livre. Même encore qu'il a, Jodia. Et mon Dieu, ça, par exemple, suspend, exerce juge. Exerce juge. Même là, Abraham était intercédé pour mon Dieu t'a épargné Sodome et Gomorrhe. Mais la parole de Dieu, péché Sodome et Gomorrhe est monté tellement haut, le Seigneur n'a pas fait autrement. Dans le verdict, dans le jugement, il était obligé de voir la foudre, le feu, le tremblement de terre, sous Sodome et Gomorrhe, et détruit ville-là complètement. Et grand jugement qui était frappé sur la femme de l'eau, parce que l'homme débarque pour ne pas virer les yeux gardés de l'air. Donc la parole de Dieu dit nous, l'entend des bruits d'elle, l'entend des coups de foudre qui a tombé d'elle, par curiosité, elle vient garder d'elle, et puis il tournait au statut de. Statue de sel. Ça, c'est l'autre jugement qui frappait sur la famille de l'eau. Donc, si on a continué dans la Bible, là, on n'a pas qu'un autre jugement qui frappait. Dans le temps des airs, hein, lorsque le Seigneur t'a fait Israël sortir en Égypte et que le Seigneur paye Israël privilège pour
pour te rencontrer avec tant de voiles, pour comprendre, rentrer en communion ensemble avec à travers Moïse, etc. Donc, on révolte qui fait dans le temps des Éa avec 250 nègres révoltés contre Moïse. Et le Seigneur, du haut des cieux, il dit, Moïse, c'est pas contre vous-même qui ont révolté. C'est contre moi-même qui ont révolté parce que moi, placé. C'est moi qui ai l'honneur dans le ministère. Si vous n'êtes pas gagné pour le reprocher, c'est moi pour le reprocher. Donc, puisque vous êtes révolté contre vous, donc, râlez corps pour me faire ça faire ma mère. Malgré cela, Moïse, quand vous dites l'éternel, non, après ça, l'éternel dit râlez corps, râlez corps. Même côté à la défense. La défense, Dathan, Abiram, avec toutes 250 nègres qui étaient révoltés ensemble avec eux, ils ont rentré tout vivant, avec toute famille, en dans la terre. Et puis, ils ont fermé sur eux. Et puis, le jugement de Dieu tombé sur Abizar. Donc, dans toute Bible, il y a d'autres jugements qui font. Maintenant, le Seigneur lui annonçait quel jugement final. Quel jugement final? Jugement final, ça n'a pas de monde qui a préparé. C'est ça que fait Jésus obligé venu pour épargner nous de jugement. Ça. Seul monde qui a épargné nous de jugement, c'est Jésus. Accepter Jésus comme sauveur personnel, faire sortir en bas jugement. Parce que selon la parole de Dieu, on va montrer ça là, selon la parole de Dieu, le monde en bas jugement. Le monde en bas jugement. Le monde, les nations de la terre en bas jugement. Parce que mon Dieu dit rétribution. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Et ma rétribution est avec moi. Elle dit, je ne vais pas venir comme ça. Comme ça. Mais même venir, je vais venir pour me capable juger. Pour me capable juger. Comme on dit quoi dans le jugement, mon Dieu. Je dis la fin de juger. Mais il y a trois bagages, il y a trois passages importants. Ma fort cadeau à soya. Ma fort cadeau à soya. Qui a aidé au empire pour examiner, pour méditer, pour aider à comprendre que le Seigneur n'a pas joué dans la déclaration. Amen. Dans la déclaration. Je veux comprendre que l'évangile, son bagage au vin là-dedans au chita. Et pour finir chanter au Bible de gloire à la caille. L'évangile, son bagage, où vous faites chaque jour. Même lors d'un chameau, où besoin d'abri, la prière et chercher le Seigneur. Où vous faites ça, une pratique spirituelle. Répétez avec une pratique spirituelle. Vous faites ça en pratique spirituelle pour plonger dans l'abri, plonger dans la prière, pour chercher mon Dieu. Et chaque jour, le chrétien évangélique, même le compte bon Dieu, chaque jour, obligé sous genoux, moi, demandez mon Dieu, pardon. Demandez mon Dieu, pardon. Et c'est ça, David montrait moi et ma mère, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface quoi? Les transgressions, etc. Donc, alors, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lui dit, ma rétribution est avec, moi. Mais, c'est pas facile pour moun saisir importance jugement ça que nous gagnons là. Premier passage qui frappe attention nous, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous toujours citer passage ça, mais nous pas réaliser que en deux passages là, bon jugement là. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Et puis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 10. Pas vrai? Est-ce qu'on est ensemble avec? Ok. Ma paix, c'est passé dans le passage Salomon, ensemble avant. Dans 1 Thessaloniciens 4, pas vrai? À partir du verset 16 et 17. Est-ce qu'on est ensemble avec? 1 Thessaloniciens qui demandait la donne ensemble avant. Son passage que nous citait en pile. Nous citait en pile. Et nous connaissons par cœur tout. Elle dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. De ceux qui dorment. En tant qu'il y a une version qui dit, au sujet de ceux qui sont décédés, monde qui mourit. Il dit, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, amen, avec lui, tous ceux qui sont morts. Et puis verset 15, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En d'autres cas, ça qui mourit dans le Seigneur, avant nous, nous, le Jésus a tourné, hein, nous pas devancer, yo. Il va ressusciter premièrement. Ça, nous, il est rang dans la résurrection. Rang. Ça veut dire que ça mourit avant yo, après lui, ressuscité, vivant yo même, va transformer. Et puis pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Maintenant, l'événement ça a fait. Soit garder passage, ou après, pas de jugement là-dedans. Ou après, mon jugement pas là. Mais on prend le mot trop. Qui je l'ai, qui revenait là. Si les morts en Christ a ressuscité premièrement, les morts en Christ. Si tu dis les morts en Christ, ça veut dire les morts qui partent en Christ. Paladin. Répétez-nous, dis paladin. Où est passage? Il dit les morts en Christ. Ou senti une séparation, hein? Ou senti distinction, ou senti différent. Différence. Si tu es mort en Christ, ça veut dire est mort pas en Christ. Parce que le monde dit que y a tout le monde chrétien. La Bible dit à l'heure. Je dis à là, tout le monde dit au chrétien. Tout le monde dit au chrétien. Ou pral connaît sa chrétien. Là, Jésus a tourné. Parce que il dit les morts en Christ. Ressuscitons premièrement. Maintenant, il dit. Les vivants en Christ, ça va passer. Ils seront transformés. Qui va aller? Ils vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais vous aimez ça, dans les airs. En d'autres termes, Pierre a perdu la terre. C'est pour Marie qui a fait sous tes arts. C'est Marie qui a fait en haut. Rendez-vous, hein, c'est en haut. Est-ce que vous voulez répéter ça, Pierre là? C'est même rendez-vous, c'est. Oh, il dit ça encore. Rendez-vous, c'est en haut. Donc, il a ressuscité pour y aller rencontrer Jésus dans les airs. Vivant autour, a transformé pour y aller rencontrer Jésus dans les airs. Il va aller rencontrer Nel qui t'a sauvé dans le miroir. Nel qui t'a racheté, Nel qui t'a libéré, Nel qui t'a pardonné des péchés, Nel qui t'a levé transgression, Nel qui t'a levé chaise sous nos roi. Nel qui t'a retiré interdiction dans la vie, Nel qui t'a débloqué, c'est lui qui va le rencontrer. Est-ce qu'on compte en vous donner des bagages là? On va le rencontrer. Maintenant, si on monte, il y a le rencontre. Sacrité en bas. Il y a le C'est ça que pas mentionné là dans le passage. Qui exprimait nos jugements. Parce que l'heure était là. Ça pourrait le passer en bas après le virer. Parce qu'on ne pas participer dans l'enlève. Et moi j'ai dit, ah, pas dans l'enlèvement ça. Mais pas vrai. Et bien vous parlez de ça. Mais oui, moi je dis, bah allez, pour ça, c'est vrai. Pour des gens fous, des gens pas bien. Chaque côté de passé, moi je répéter même bagaille. Parce que Pierre dit ça, je ne cesserai jamais de vous répéter les mêmes choses. Il dit, pour vous, cela est salutaire. Nous faisons répétition pour vous là. Et puis, on voit que la parole de Dieu est la vérité. Enlèvement vrai. Enlèvement vrai. C'est ça pour prouver qu'on parle dans l'évangile pour le Messie. C'est ça pour prouver qu'on parle dans là. C'est black ou bas, la Bible dit amen. C'est pas est-ce que vous venez régler ou pas que la Bible a mon bouquet Messie. C'est pas tant ou une paix. Enlèvement vrai. Enlèvement vrai. Premier enlèvement fait dans la Bible, c'était énorme.
Mais non, preuve là.